Les habitants d'Ashkelon, les 140 000 habitants d'Ashkelon, se sont réveillés d'un bond à l'annonce, à l'alerte d'une roquette qui a été lancée en direction de la ville, qui a été interceptée en plein air. Il y a eu une riposte de l'armée de l'air israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Alors que les bombes continuent de s'abattre dans la bande de Gaza, l'hypothèse d'un cessez-le-feu a été évoquée de part et d'autre. Portant à environ 1200 le nombre de Palestiniens tués, selon les sources médicales locales. L'armée israélienne, qui affirme avoir tué plus de 300 combattants du Hamas, enregistre de son côté ses plus lourdes pertes depuis la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006. Au cours des manifestations de ce vendredi, 18 Palestiniens auraient également été blessés par balles, selon le ministère de la Santé du Hamas. Plusieurs ONG, dont Médecins du Monde, dénoncent l'usage excessif de la force employé par l'armée israélienne lors de ces protestations. Le minibus a heurté ses passants de plein fouet avant de foncer à nouveau sur les véhicules alentours. Le chauffeur aurait ensuite tenté de s'enfuir avant de s'en prendre à des piétons avec une barre de fer. C'est là qu'il a été abattu par la police. L'assaut, qui a eu lieu sur l'axe qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest, a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les autorités israéliennes parlent d'une attaque délibérée. Il y a tout juste 2 semaines, dans Jérusalem-Est, un Palestinien s'était lui aussi jeté en voiture sur un groupe à un arrêt de tramway, tuant une jeune femme et une fillette. Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives à Jérusalem. Mercredi matin, des affrontements ont eu lieu entre des manifestants palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. N'étant sûr de la réalité, le mieux était donc que l'on se déplace directement sur place afin de rencontrer le peuple israélien, qu'il soit ancien palestinien musulman devenu israélien ou israélien juif du monde ayant fait son alia ou étant né sur place. Donc, nous avons décidé d'aller en Israël. Allez. C'est interdit. Il y a des machines, c'est interdit. On veut juste l'éteindre ? Ok.